C'est la 29e journée de Ligue 2 et c'est un match très important pour la suite de la saison. Les footballeurs de l'Estac reçoivent Clermont demain soir à 20h20 au stade de l'Aube. Au classement, les Troyens sont 4e et comptent 2 points d'avance et 2 points de retard plutôt sur les Auvergnats. Elle est 3e actuellement malgré les absences de Mounir Obadi blessé et de Xavier Thiago suspendu. Les joueurs de Jean-Marc Furlan se montrent très confiants et ne cachent plus leur ambition de monter en fin de saison. Écoutez Raphaël Caceres, l'attaquant, et éloge Enza Yamissi, le capitaine de l'Estac. On sait qu'en gagnant ce match-là, on pourra monter sur le podium. Maintenant, voilà, c'est pas une fin en soi, parce que même en gagnant ce match, ça nous assure de rien du tout. Et il reste énormément de matchs encore derrière. C'est excitant, surtout pour nous les joueurs, c'est un match charnière, donc il y a un peu plus d'envie, je pense qu'il y aura un peu du monde au stade, donc ça va être un bon match à jouer. On a toujours l'ambition, donc voilà, pour moi c'est normal que là, même là maintenant, on joue la montée, il faut être clair et franc, c'est quelque chose de très important pour nous et pour la ville et pour le club, que si l'Estac se retrouve en Ligue 1, donc voilà, tout le monde est gagnant et même les supporters, ils verront le PSG, Marseille, voilà, ici. Donc voilà, c'est important qu'ils viennent nombreux pour nous pousser à atteindre ce but. Si des gens sont là au stade, il y a beaucoup de gens qui crient, qui nous encouragent. Je pense que tu peux toujours essayer de te surpasser.